dr. Stanislav Sretenović, istoričar, unuk je lekara Dragoljuba Sretenovića, koji je bio jedan od naših đaka poslanih tokom Prvog svetskog rata na školovanje u Francusku. U ovoj emisiji pratimo kako Stanislav istražuje sudbinu svoga dede na ratnom i životnom putu. Postoji fotografija srpskih đaka u srpskoj gimnaziji u Vorepu, opšti razred, na kojoj ja vidim jednu osobu, jednog momka koji bi mogao da bude možda moj deda. Evo, ja pokušavam da uporedim fotografiju sa njegove karte, studentske karte u Bordeauxu, dakle možda godinu ili dve dana posle ove fotografije u Vorepu, i meni ti likovi deluju vrlo, vrlo slično. Dakle, možda bi to mogao da bude Dragoljub Sretenović. Moju porodicu je obeležila sudbina moga dede, Dragoljuba Sretenovića, lekara, francuskog đaka. On je studirao medicinu u Francuskoj od 1917. do 1922. kada je diplomirao i kada se vratio u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ono što je bitno i ono što ja nosim kao sećanje, to je da se o školovanju dedinom u Francuskoj uvek govorilo kao o jednom svetlom, pozitivnom, lepom periodu, i baka je kultivisala taj način gledanja na porodičnu prošlost. To se vidi i po knjigama koje mi je kao malom pokazivala. To su bile knjige koje su ostale od dede. Tu je bilo knjiga različitog sadržaja, najviše medicinskih knjiga, ali je i bilo knjiga političkog sadržaja. To je čuvena knjiga Ernesta Denija, La Grande Serbie, zatim Velsova knjiga o njegovim utiscima o posle posete Sovjetskom savezu, koja je bila klasična literatura evropskih levičara na zapadu onoga doba. Ali više od toga, pored ove bakine lične priče, ja ne znam i voleo bih zaista da saznam nešto više o tome i da pokušam i sam da prođem tim stazama moga dede i da pokušam da nađem trase njegove. On kao dobar đak Kragujevačke gimnazije biva određen da ode u Makedoniju i da zameni nekog profesora i da radi sa malim đacima dok su profesori na frontu. E sad, u tom trenutku njega zatiče povlačenje. I on se izgleda zajedno sa tom vojskom i narodom povlači. Nemam svedočanstvo o tome kako je samu Albaniju prešao i znam da je stigao u San Giovanni di Medova, luku na albanskoj obali, onda prelazi brodom u Brindizi i zatim se nastavlja njegov dalji odlazak za Francusku. U Aix-les-Bains, preko Marseja, naravno, pošto su sva naša deca dolazila do Marseja. Dakle, odlučeno je da on bude poslat u Vorep, gde je postojala srpska gimnazija. Tu je on završio tu svoju godinu koja mu je ostala, i iz Vorepa on prelazi u grad Bordeaux, gde je bio jedan od velikog broja srpskih studenata koji su studirali medicinu u Bordeauxu. Da bi krenuo putem svoga dede, Stanislav prvo kreće da razgovara sa svojim stricem, takođe lekarom, doktorom Zoranom Sretenovićem.
zdravo, čika Zorane, kako si mi ti? Ja, dobro. Bravo. Hoćemo da krenemo sa ovim divnim fotografijama. Baš sam se iznenadio kad sam video ove fotografije iz Bordoa. Dakle, to je 19. godina, 18. godina, sam početak njegovih studija medicine. Ja mislim da je najvažnija ova slika koja pokazuje predsjedništvo udruže, upravu, takozvanu, upravu udruženja jugoslavenskih studenata, jugoslavenskih studenata u Bordeauxu iz 1819. godine. Evo, ovo je tvoj deda, moj otac, ovo je gospođa knjižičar, ovo su dva polka Sekulovićeva i dva sekretara i blagajnik Krstića. Njega pamtim ovako po priči. Pa on je u suštini bio Jugosloven, tako da vidiš i udruženje, piše Jugoslovensko udruženje. I uvijek imao dobre odnose i sa svim drugim narodima. Posle kad se vratio u Srbiju, on je imao dobre odnose i recimo on je bio glavni urednik medicinskog leksikona koje je izdala Minerva u Zagrebu. I oni su u Francuskoj svi zadojili socijalističkim idejama. Tako, sloboda, liberté, fraternité, égalité. I bili posle, vratili se svi u zemlju i bili poznati lekari. Prvo je radio u Kruplju kao sreski lekar, pa je otvorio privatnu praksu opšte medicine i počeo da izdaje list Lekar i Narodnu čitanku. Narodna čitanka je bio list koji je bio upućen radnicima i seljacima da ih na neki način edukuje u pravcu društvenog uređenja, socijalizma, kvaliteta života. Na neki način su bili davani i savjeti da se bolje živi, da se zdravije živi. Bili su članci protiv pušenja, protiv pića, protiv klađenja i tako. Bila je vrlo interesantna časopis. Izgleda da ga je socijalna medicina od uvek najviše interesovala. Njemu je, zbog njegovog rada dugogodišnjeg, priznata mu je specijalnost lekara, specijaliste socijalne medicine. Posle je bio sekretar lekarske komore, pa je bio šef lekara bolesničke blagajne trgovačke omladine. To su sve... Bio je izuzetno lep čovek, evo ovde vidimo sa bakalelom. Dakle, moja majka mamom... mislim da je bila lepša od njega. Oboje su lepa. Oni su dakle bili u braku od 34. do 42. godine. Ti si u porodici jedini u stvari koji je njega na neki video način i sećaš ga se, zato što se moj otac njega ne seća, bio je mnogo mali. Ja se njega dobro sećam iz nekoliko trenutaka, a od neki su toliko meni ostali upečatljivi da se uvek uzbundim kad to razmišljam o tom. Ona je bila dosta mlađa od njega, ali nikad ga nije zaboravila sve do svoje smrti. Prateći dramatični ratni put srpskih đaka, među kojima je bio njegov deda Dragoljub Sretenović, Stanislav odlazi u Marsej. Ovde je početkom 1916. godine izašao moj deda na tlo Francuske zajedno sa ostalim srpskim đacima. Iz Marseja oni su dalje poslati u razne krajeve Francuske. Dakle, kakav je osjećaj bio tih đaka koji su stupili na tle Francuske prvi put ovde u Marseju? Pa zamislimo ovu luku koja je bila puna brodova, puna različitih ljudi koji su sa različitih krajeva Mediterana dolazili u Francusku. Sam Marsej u to doba je primio
ne samo Srbe kao izbeglice, srpske civile, đake i studente, nego je primio prvenstveno francuske izbeglice iz severoistočnih krajeva koje su Nemci bili osvojili. Nemojmo zaboraviti da su Nemci stigli do samog Pariza. Otprilike 54% izbeglica u Marseju bili su Francuzi iz okupiranih krajeva severoistočne Francuske, a negde oko 20% je bilo Alzašana i Lorenaca sa jedne strane i 20% srpskih izbeglica i negde oko 10% belgijskih izbeglica. To su Friulska ostrva ispred Marseja. Tu su srpski đaci izašli iz brodova koji su ih transportovali iz Brindizija ili iz Soluna posle albanske Golgote. Posedujemo jedno svedočanstvo jednog od tih đaka. Radi se o đaku Milivoju Ivanoviću. Majko, ja sam pušten iz vojske, privremeno nesposoban do oktobra i išao sam sa ocem do Skadra i na Božić odem kod Bude u San Giovanni di Medua i budem do 6. januara 1916. I tada se krenem lađom za Francusku, bio sam u Marseju, pa se vratim posle 6 dana u Bastiju Varoš. Ovdje sam stigao 20. januara 1916. godine. Majko, ja ću da učim školu ovdje. Majko, otac i Bude su otišli za Krf ostrvo. Majko, kad dobiješ ovo pismo, javi mi za Vecu, njego sam se mnogo uželio. I javi mi za Miku, ako znaš što. On je zarobljen 18. oktobra 1915. godine na planinici kod Zaječara. Majko, za njega najviše brinem, jer ne znam tačno da je zarobljen. Nestalo ga je jedne noći pri odstupanju. Majko, ja sam tražio Milorada, a njega nema i on je zarobljen kod Prištine, Bugari ili Austrijanci. Majko, svakog dana plačem, oplakujem sudbinu moje braće i oca i familije. Ja sam poneo veš i novac Miki, a njega nema. Ja tako spremim i Miloradu i novac da mu dam, a njega nema. Ja sam onda plakao, pa odem kod Bude, on je bio u San Giovanu, pa dam stvari, a ja odem na obalu Jadranskog mora, pa na steni, baš na Svetog Stefana, isplačem se. I gde god čujem kombinovanu diviziju, ja bežim od nje da je ne vidim. I kad neko počne pričati o njoj, srce me boli. Doduše za Vecu se nadam, a za Miku nadam se još, ali sumnjam. Majko moja, javi mi sve, što je i kako je, da znam. Ja znam da nije dobro i sumnjam u tvoje zdravlje. Majko, ovo slušaj, nemoj očajavati, svemu ima kraja i ovo će se svršiti. Nemoj očajavati, nego čuvaj zdravlje, da koji budemo živi, kad se sastanemo i zajedno žalost tugujemo. Milivoj Ivanović, đak 7. razreda gimnazije iz Bastije na Korzici. C'est une architecture du 19e siècle ouais. Et les Serbes qui sont venus à Marseille. Au Pomorskom Muzeju Marseja, Patrick Boulanger, kustos ovog muzeja i član Marsejske akademije nauka i umetnosti, otkriće Stanislavu kako su srpski đaci pristizali iz rata u Srbiji u francusku luku i šta ih je ovde sačekalo. Il y avait en fait beaucoup de Serbes. Donc ce sont des navires de toutes les époques. Et on a essayé de faire, c'est de montrer finalement
L'évolution, oui. D'autres navires de ces temps-là, avec, qui sont caractéristiques parce qu'ils ont la proue qui est droite. Oui. Et donc, on sait qu'ils ont été pensés avant la Première Guerre mondiale. Et donc, nos jeunes Serbes ont été véhiculés plus dans ce style de navire que dans ces grands paquebots blancs. Oui, oui, je vois. C'est des photos d'époque qui sont elles aussi très rares et qui nous montrent finalement les navires qui ont transporté ces réfugiés depuis Salonique. Mais s'ils se trouvaient à Salonique en Grèce, c'est qu'ils arrivaient de Corfou. Ouais. Et s'ils étaient à Corfou, c'est qu'ils venaient en amont d'Albanie. Oui. Donc chassés finalement par l'avancée des Bulgares. Oui. Et donc on va voir les navires divers et variés qui ont participé, navires français et russes, qui ont participé à cette évacuation. Et on verra que c'est très, très différent. Et italien, je suppose, parce que la marine italienne était très impliquée dans cette affaire. Oui, alors, l'un des grands navires qui a transporté ses étudiants s'appelle le Victor Hugo. Oui, oui. C'est un croiseur. On a ce lancement, voilà, c'est un énorme croiseur. Ah, ça, c'est Victor Hugo. Qui faisait 148 mètres de long. Oui. 148 mètres, qui était d'une vingtaine de mètres de large. Oui. Et vous imaginez, donc, là encore, rétrospectivement, ces enfants qui se retrouvent bord d'un cuirassé comme ceci. Oui, donc un navire qui n'est pas du tout conforme au transport des enfants. Le second, c'était le Jules Michelet. Oui, qui est représenté ici. Voilà. Jules Michelet. Et qui était sister ship, qui était identique. Ah, d'accord. Et tous deux allaient avoir justement leur rôle en Méditerranée. Oui. Ces translations d'enfants, c'est un détail pour eux dans leur histoire. Parce qu'après, ils vont faire des grands combats, ils vont transporter, ils vont aller vers l'Orient, vers les Dardanelles. Mais au milieu de cette grande campagne de 1915-1916, il y a ce transport que je dirais humanitaire. Oui. Ils font de l'humanitaire et ça, c'est très beau que finalement, le gouvernement français appuie cette demande justement de la population et des Serbes, essayer de les sauver du massacre. Ouais. Du massacre. Et d'ailleurs, il y a un témoignage quand des transports étaient arrêtés par la marine austro-hongroise, puis contrôlés, et quand ils avaient vu qu'il s'agissait des élèves, ils ont laissé passer ce convoi. C'est un témoignage, bon, on peut se demander quelles étaient des raisons, mais c'est quand même un témoignage qui souligne le côté humanitaire du transport. Ces enfants, ces étudiants arrivent au Frioul. Vous imaginez les navires qui sont bousculés. Ouais. Et puis, il fait froid, ils mangent plus ou moins bien, ils doivent subir toutes ces opérations douanières. Ils doivent se soumettre certainement, justement, à un nettoyage. On les lave, il fait froid, on ne va pas leur mettre de l'eau chaude, etc. On les nourrit de soupe. Et puis ensuite, ils sortent dehors et qu'est-ce qu'ils voient ? Ce vent qui souffle à 80, 100 km à l'heure et peut-être plus. Et donc, après avoir connu le mal de mer, certainement à bord des navires, ils se retrouvent dans une île avec un temps froid. Fut une arrivée qui n'était pas celle du beau soleil de Provence. Et puis, regardez ces portraits. Et là, et ici, nous voyons ces visages des enfants qui sont à la fois tristes et à la fois inquiétés, je dirais. Et ce qui est intéressant, voilà, quelques centaines de ces enfants qui d'instinct sont venus à nous comme une mère sont arrivés depuis quelques jours à Marseille où Madame Vesnich, la femme d'un grand patriote serbe, ministre du roi Pierre, les a accueillis avec ferveur, avec une âme toute prête. Oui, c'est Milenko Vesnic, le ministre plénipotentiaire de la Serbie à Paris. Et c'est intéressant, pour répondre à la question,
Il y avait des Français comme les Fraissinets, et puis il y avait aussi des Serbes qui s'occupaient de ces enfants. Alors il y avait tout un système d'accueil de ces Serbes organisé par le gouvernement serbe. Et on nous montre donc Madame Vesnić. Et on nous montre la femme de Monsieur Vesnić. Et ce mouvement d'adhésion populaire, cette aide, on le voit lors des journées serbes qui sont organisées. Journées serbes, c'est-à-dire que c'est un jour où on va faire des quêtes publiques, on va demander l'argent des Français pour qu'ils aident finalement les Serbes réfugiés. D'après les témoignages postérieurs à la Grande Guerre qui existent en Serbie, on nous parlait d'un accueil très chaleureux de la population. Est-ce que c'est plutôt une construction, selon vous, d'après la guerre? Parce que c'est très peu probable que la population fasse un accueil éclatant à cette époque. Pour moi, c'est une réalité. Ces groupes, ces enfants, sortent du système quarantenaire et sont ensuite accueillis par des groupes, et des groupes qui vont les faire dormir dans des locaux destinés justement à ces fins. Et il y allait avoir tout un travail qui allait être fait en particulier par la préfecture, on la voit, et puis aussi par le consul de Serbie à Marseille, qui s'appelait Alfred Fraissinet. Ouais, ouais. Les Fraissinet, c'est des grands noms, des grands armateurs qui étaient justement en liaison avec la Méditerranée orientale, avec la mer Noire. Et donc, si vous voulez, tout est fait pour que cette population héroïque, pour ces enfants orphelins, soit accueillis le mieux possible en temps de guerre. Oui. C'était difficile, mais quand on ne peut pas donner, on a toujours du pain, on a toujours de la chaleur humaine. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, malgré la barrière de la langue qui devait être difficile. Et puis, comme vous le disiez aussi, la difficulté de cet hiver, justement la rigueur de cet hiver 1915-1916. Spomenik istočnoj armiji, takozvana vrata Mediterana. Preko ovih vrata Francuska gleda na Mediteran i gleda ka istoku. Zašto je ovaj spomenik važan za nas, za Srbiju i za srpske đake i studente u Marseju i u Francuskoj? Važan je zato što je on sagrađen posle Prvog svetskog rata, 1927. Dakle, ideja je bila da koliko su pobedi doprineli francuski i srpski vojnici na Solunskom frontu, koji su se borili rame uz rame, i o čemu govori između ostalog i ovaj spomenik, toliko su toj pobedi doprineli i srpski đaci i studenti koji su svojim znanjem u stvari učinili Srbiju bogatijom, duhovno bogatijom i otvorenijom za nova znanja i razvoj.